J'ai une opportunité en or pour toi. Les gens disent que quand Wako parle d'or, c'est que de la merde en barre avec un joli ruban en général. C'est une affaire délicate. Délicate? Waouh, t'as l'art de présenter les choses, Wako. C'est un boulot comme les autres, mais disons que le client est exigeant. C'est le boulot du client d'être exigeant. Qu'est-ce qu'il a de différent, celui-là? Il veut que tout se passe exactement comme prévu. Et il est prêt à mettre le prix. Ce boulot va demander du doigté, V. Quelqu'un de moins expérimenté fera tout foirer. Je te remercie de ta confiance. Y a plus de doute, c'est un boulot de merde avec un joli ruban. Bon, tu peux me filer les détails? Caroline Jablonski, ça te dit quelque chose? Tuée de sang-froid il y a quelques années de ça. Ça avait fait du bruit. Le type s'est fait serrer, mais il a des chances de sortir de prison maintenant. La famille de Jablonski veut rétablir l'équilibre de façon définitive. Tu vas le buter. Tu veux que j'assassine quelqu'un, alors? Attends, c'est pas le Dalai Lama? J'ai dû faire un faux numéro. T'es pas né de la dernière pluie, V. Tu sais comment ça se passe. Le type a été déclaré coupable. Il mérite vraiment de mourir. Tu trouves que j'ai une tête de procureur? Ce mec, il a fait quoi? Je suis pas non plus une envoyée spéciale. Tu veux ce boulot ou pas? C'est bon, je suis partante. Bien. Le client t'attendra près d'une caisse à l'angle de la 6e et de Brandon. Une caisse? Le client viendra avec toi. Il tient à être là quand tu colleras une balle dans la tête du type. Bonne chance. Je suis content de te voir, V. Eh ben, c'est plutôt isolé, comme coin. C'est l'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as une sale tête. Tu es face à un homme privé de ses implants, de son argent et de sa dignité. Mais ce n'est pas si mal. Dans la rue, je passe relativement inaperçu. Il est là, ton ami? Oda, il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako Arasaka? Celle du porte-avions ancré dans la baie? La fille de Saburo? Oui, et s'il te fait confiance, alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. Et qu'est-ce qui empêchera son petit toutou de nous balancer? Il n'en fera rien. C'est un homme d'honneur. Ouais, c'est connu que c'est une qualité courante chez Arasaka. Ne confonds pas le véritable honneur avec la pseudo-morale qui dicte ta vie. Il est en voiture. C'est bon signe. D'habitude, il est toujours camouflé. Takemura-san. Oda. C'est elle, la voleuse? C'est mon témoin, V. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. Ça va pas vous plaire, ce que j'ai à dire. Je vais être sûr que je risque rien. Tu as ma parole. V, tu peux lui faire confiance. Bon, d'accord. J'étais au Konpeki Plaza le soir où c'est arrivé.
Ça ressemblait à une simple histoire de famille jusqu'à ce que... Yorinobu se jette sur sa bourreau et se mette à l'étrangler. Silence! Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Mais c'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux, c'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Est-elle en danger? Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé? Imbécile. Oui, car contrairement à toi... Vous devez regarder la vérité en face. Oui, car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir mon serment. Tu regretteras tes paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobu. Pardon, mais ça va prendre encore longtemps. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place? Je n'hésiterai pas. Je livrerai ta tête à Yorinobu. Tu as beaucoup de chance. Oda! Que je ne sois... Quoi? On parle d'un type qui a tué son propre père pour prendre le contrôle d'Arasaka. Vous allez faire quelque chose ou pas? Pas question. Mais je vais vous laisser partir et quitter cette ville, indemne. Si jamais je revois l'un de vous un jour, je serai moins indulgent. Fais bien attention, mon ami. Nous sommes tous loin de chez nous. Et bon débarras. Un seul cinglé de char Arasaka à gérer, c'est déjà beaucoup. Il n'y avait aucune chance que ça marche. Mais je pense que nos efforts n'ont cependant pas été vains. Oh. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est qu'a dit Oda. Il retourne à Tokyo après le défilé. Tu ne comprends pas? Le défilé, c'est peut-être une opportunité. Si, par chance, nous parvenons à atteindre Hanako-sama, nous devons d'abord effectuer un repérage. Il nous faudra une carte précise de Japantown. Une minute. C'est ton tour d'appeler un ami. Tu connais un fixeur qui pourrait nous aider? Minute. Pas si vite. Tu dis ça comme si on allait craquer un asp. Mais d'après toi, la sécurité d'Anako est la meilleure de tout Night City. Exact. C'est pour ça que tu dois nous mettre en contact avec un fixeur du coin. Comme fixeur, je connais Wakako Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jig Jig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. On y va ensemble? Ouais, pourquoi pas. Jigzag Street? Quel nom étrange. Pas plus étrange que Goro Takemura. Attention, tu te moques de moi trop souvent. Tout va bien, Goro? Oui. Pourquoi cet intérêt soudain? On a des intérêts en commun, toi et moi. T'as déjà oublié? Certainement pas. Bien. Parce qu'on attrape plus facilement une bastos qu'un rhume à Night City. Et j'ai besoin de toi vivant. Je vais bien. Comme tu peux le voir. T'as une idée de... Yorinobu et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Mais plus un sourire est grand, plus le mensonge est gros.
J'ai un truc qui va te faire mouiller toute la nuit. Rogue, enfin. Tout ça n'est sûrement qu'un malentendu. Je ne sais pas qui a attaqué ton équipe, mais les Tiger Claws... Non, jamais de la vie. Mes gars savent se tenir. Désolée, je dois te laisser. J'ai... de la visite. Tiens, tiens, mais qui vois-je? V en personne dans mon humble petit salon. Wakako, ça faisait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Et ton charmant ami, c'est... On s'est juste retrouvés à bosser ensemble, c'est tout. Takemura Goro desu. Okada-san, owai dekite kouhei desu. Oh, un vrai gentleman. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka aux fesses. Et toi, V, tu l'amènes chez moi. Donne-moi une bonne raison de ne pas prévenir les autorités compétentes dans la seconde. Les Eddies, c'est toujours une bonne raison, Wakako. Tu veux en gagner, et on est là pour affaire. C'est simple. Parle alors. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. On va déjà voir pour les Eddies que tu me dois, pour le boulot avec Sandra Dorset. Tu ne m'avais pas l'air si pressé jusque-là. Alors tu dois pouvoir attendre encore un peu. V, ce n'est pas le moment. Dis à Okada-san pourquoi nous sommes là. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser Japantown. Ça concerne encore Arasaka, alors. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir moi. Monsieur De Chaux ne décrochait pas son téléphone? Goro, tu peux me rappeler pourquoi ce gros lard perfide de Dex n'est pas disponible? Il est décédé. Il a été découpé et balancé dans une décharge par un gars d'Arasaka, si c'est pas triste. Est-ce que c'est une menace? Pas du tout. Tu voulais savoir pourquoi j'arrivais pas à joindre Dex? Je t'explique. C'est tout. Tant mieux, parce que vous iriez le rejoindre, sinon. Okada-san, nous n'avons pas de mauvaises intentions. Il nous faut juste des informations. C'est une question de vie ou de mort. Tout est sur ces éclats. Combien ça va nous coûter? J'ai les poches vides. C'est évident. Prenez, je vous en fais cadeau. Okada-san, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas? Sérieux? Tu nous les donnes? J'ai mes raisons, mais vraiment aucune patience. Japantown. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Les chars d'Ashi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Anako Arasaka, l'invitée d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément... là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements... récent, elle devrait être importante. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un être honneur. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus utile. À la fin, les chars quitteront Japantown. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne viendra ramasser. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Ça devrait suffire. Je ne vous retiens pas dans ce cas. Tu te demandes pas pourquoi on se donne tous mal? Ne rien savoir m'a déjà été bien utile. Et de toute façon,
Je le saurai bientôt, non? Merci, Wakako. Ne vous remercions, Okada-san. On a encore une affaire à régler. Tu te souviens de Sandra Dorset? J'oublie jamais ce genre de choses, V. Voilà ta récompense. J'y ai ajouté un bonus plutôt généreux. Va voir un charcutoc. Tu pourras te faire poser un implant dermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes. C'est une spécialité des Tiger Claws. Cette femme était vraiment très charmante. Ces informations, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Mais je vais quand même enquêter de mon côté. Je vais rester là quelque temps et contacter des associés. Dès que j'en saurai davantage, je te recontacterai. Tu fais profil bas, ok? Commence surtout pas à signer des autographes. Oh, mais je ne serai jamais aussi célèbre que toi. Sois prudente. Mais...